Bonjour à tous, donc Alexandre Chevillon, je suis en charge de l'énergie du climat au parc naturel de Bancos depuis 12 ans maintenant. Pour vous situer, le parc naturel, on est entre Montpellier et Clermont-Ferrand, le sud du département de l'Aveyron. Le siège du parc est basé à Millau, mais cette photo, elle transpire pas vraiment le territoire, parce que le territoire, c'est avant tout 93 communes, 70 000 habitants sur plus de 3000 km², et quand vous faites le rapport, ça fait moins de 20 habitants au km² avec des coins, pour ceux qui connaissent le Larzac, des secteurs comme ça, des densités qui tombent à moins de 5 habitants au km². Tout ça pour dire qu'on a un grand territoire, on a peu d'habitants, on a des petites communes, on a des petits moyens dans les communes, des petits moyens financiers, et surtout un manque cruel de services et de compétences dans les collectivités. Et le rôle du parc, c'est aussi d'apporter justement une ingénierie à ces communes qu'elles ne pourront jamais avoir individuellement. Donc on partage beaucoup on fait remonter pas mal de compétences au sein du PNR. Que dire d'autre? Le parc est engagé donc depuis 12 ans dans un plan climat volontaire. Un plan climat volontaire qui, à la base, partait sur l'idée de faire un territoire à énergie positive en 2030. Aujourd'hui, on a revu la politique pour accélérer encore ça, parce qu'on est déjà à 70% d'autonomie énergétique. Alors, c'est pas de notre faute. Hein. Voilà, on a des barrages qui se sont mis il y a 80 ans sur le territoire. On a une centaine d'éoliennes, donc on n'est pas forcément à l'initiative. Mais par contre, les choses évoluent voilà, la consommation a quand même baissé en 10 ans, la production a augmenté, le bois énergie, on a accompagné pas mal de filières. Et surtout, on s'est rendu compte quelque chose de récent, 2019, c'est que, en 2018 plutôt, c'est que sur la filière photovoltaïque, on n'avait pas eu d'action particulière dessus. Pourquoi? Parce que c'est une filière qui a émergé toute seule dans les années 2009. On a beaucoup d'installations, on a 1000 producteurs sur le territoire du parc, des agriculteurs, des particuliers. Mais par contre, quand on a regardé de près, il y avait 4 communes qui avaient fait des installations photovoltaïques sur leur patrimoine en l'espace de 10 ans. En 2018, il y en avait 4. 4 installations, en gros ? 4 installations, hein. 4 installations, et puis voilà, 3 kW sur l'école, une toiture peut-être un peu plus grande dans une autre commune, mais voilà, c'était... vraiment pas grand-chose. Et pourtant, ça faisait 10 ans qu'on disait que le solaire, c'était bien, qu'on accompagnait les communes sur plein de projets, mais ça n'émergeait pas. Donc nous, on a démarré à faire notre installation en propre sur notre bâtiment, c'est nos locaux, ça, basé à Millau. Et à partir de là, on a dit, on va proposer aux communes, on va essayer de massifier une opération sur le PV sur bâtiment, sur leur patrimoine. Pourquoi? Pour des questions d'exemplarité. Nous, en tant que syndicat mixte, on porte un PCET, on le montre à nos collectivités. Les collectivités, derrière, elles le montrent aussi à leurs concitoyens. Et du coup, c'est l'idée de créer un petit peu une dynamique. Et puis il y a la question de l'exemplarité, puis il y a la question du potentiel. C'est-à-dire, finalement, elles n'ont pas beaucoup de moyens, mais elles ont quand même des bâtiments. Ouais. Et là, c'est peut-être il y a énormément de patrimoine public. Une commune de 200 habitants, vous allez quand même avoir 10 bâtiments publics. Donc c'est assez facile de trouver du potentiel. Et surtout que nous, au niveau du PNR, on a pris des postures un peu radical pour certains penseront, mais bon, on est quand même un territoire classé parc naturel par décret du Premier ministre. Le photovoltaïque au sol, on l'interdit partout. On l'interdit partout, hormis sur les délaissés autoroutiers, les anciennes carrières, les défriches, mais du coup, c'est nullement sur les zones agricoles, nullement sur les zones naturelles, pour des questions de concurrence à l'agriculture, et aussi pour des questions de paysage, parce que la valeur agronomique de nos terres, elle est que dalle. Vous allez sur le Larzac, il n'y a rien qui pousse, et pour autant, c'est pour ça que c'est reconnu, c'est pour ça que c'est classé à l'UNESCO. Donc nous, on a voulu garder cette posture, parce qu'on a aussi des missions de protection de l'environnement, et puis surtout, on s'est dit, mais il y a 150 hectares déjà de terres qui sont artificialisées, on va commencer là-dessus, sur les zones dégradées, et puis on a un potentiel sur les toitures qui est juste énorme. Le jour où il y aura vraiment des... commençons par là, et puis avant d'ouvrir une page dans les zones agricoles et zones naturelles. Ah, donc vous avez commencé par vous dire, finalement, ces bâtiments, combien on en a et qu'est-ce que ça représente comme surface, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on a dit, on va regarder tous les bâtiments publics. Donc concrètement, on a pris un stagiaire avec des outils SIG, des outils informatiques qu'on a. Le cadastre et tout, on a extrait tous les bâtiments publics. Il y en a 3600 sur ces communes.
Là-dessus, on a retenu que les bâtiments qui avaient une surface de plus de 100 mètres carrés. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il y a au moins 50 mètres carrés de bien orienté. Et 50 mètres carrés de bien équipé, ça veut dire qu'on a juste la place d'y mettre une installation de 9 kg. Il n'y avait pas encore de règle de 3 kg à l'époque, ça c'était en 2017. Donc il y a la question aussi de passer du temps pour un générateur de 3 kW peut se discuter, oui, voilà, en termes de moyens humains. Parce que voilà, même si on en fait beaucoup, ça fait quand même pas énormément de puissance. Il y avait ça aussi. Sur ces bâtiments-là, après, il y a une analyse toujours depuis le bureau pour voir les orientations, les inclinaisons, pour voir sur les vues aériennes les singularités, parce qu'il y a toujours des bâtiments, des toitures qui sont très complexes techniquement, et on sait que ça sera impossible, où il y a de l'ombrage, on a beaucoup de relief aussi chez nous avec les montagnes, et du coup, on a exclu petit à petit, on est arrivé à 789 bâtiments. Et là-dessus, on a fait donc un cadastre pour chaque commune. Vous avez l'exemple là d'un petit bourg-centre. On a identifié sur leur patrimoine les bâtiments qui pourraient être équipés par gamme de puissance, 9, 36 et 100 kg. Et à chaque fois sur ces bâtiments-là, on a fait une analyse économique, une pré-analyse économique, avec un premier chiffrage d'investissement, de production, d'entretien, et pour donner quelques données économiques au maire. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement, sur 1200 bâtiments où on se dit, bon, ils sont assez gros pour qu'on regarde, en fait, il y en a deux tiers où il y a quelque chose à faire. Donc, on n'est pas dans une logique de se dire, on va prendre les meilleurs bâtiments et on va les équiper. On est plutôt dans une logique de se dire, on va prendre les 20-30% de bâtiments où c'est trop galère. Et par contre, on avance sur tout le reste. C'est ça. Après, il y a plein de choses qui ne sont pas vues dans ces bâtiments. On ne sait pas l'état des charpentes. On ne connaît pas les conditions de raccordement. Il y a des fois, on voit de la tuile sur les vues aériennes, mais qui recouvre un beau fibro. Enfin, voilà, c'est... on n'a pas toutes les informations, mais en tous les cas, sur ces bâtiments-là, on les a identifiés, on les a envoyés aux communes. Chaque commune a reçu sa carte avec ses tableaux, avec chaque bâtiment, combien ça coûte, combien ça rapporte. Et on a envoyé un questionnaire derrière qui leur demandait... il y avait quatre questions. La première, c'est « Est-ce que vous voulez du photovoltaïque ?» J'ai des communes qui n'en veulent pas. « Est-ce que vous voulez... si oui, sur quel bâtiment ?» Il y a des communes qui sont prêtes à en mettre sur l'école, sur la salle des fêtes, mais peut-être pas sur la mairie parce que la toiture a été rénovée, parce qu'elle est jolie, etc. Ou peut-être pas sur l'église. Voilà. Même qui n'en veulent pas sur leur église, à savoir pourquoi. Troisième question, est-ce que vous, sur ces bâtiments-là, est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans une opération collective qu'on chapeauterait ? Et la dernière question, c'était de savoir est-ce que vous êtes prêt à financer votre installation, ou si vous n'avez pas l'argent, est-ce que vous êtes prêt à louer votre toit et d'avoir une redevance de location ? On a déjà amorcé ça, on ne savait pas ce qu'on allait faire derrière. On s'est dit, si on fait juste un travail de sensibilisation pour leur montrer qu'ils avaient du potentiel, voilà, on aurait eu trois projets derrière. Mais on a déjà amorcé le fait de dire, on va essayer de faire un truc de concret derrière l'opération. Et là, ce questionnaire, vous avez combien de retours ? On a eu une cinquantaine de communes qui ont répondu. On n'a pas cherché à en avoir plus, parce que nous, on a, enfin, vous voyez le potentiel, 780 bâtiments. Si on en a un dixième, déjà, ça fait du boulot. Au final, il y a 50 communes qui ont répondu, il y en a 30 qui étaient partantes pour faire quelque chose. On a dit on avance sur ces 30, ça concernait 150 bâtiments. Et puis on verra après. Et puis ceux qui n'ont pas adhéré, on n'a pas fait de relance parce qu'on se dit on avance avec celle-ci. Et puis dans deux ans, on relancera une opération. Il y en a d'autres qui viendront. Les municipales aussi qui ont tendance à rythmer aussi la vie. Et du coup, les projets qui ne sont pas possibles aujourd'hui peuvent l'être demain. Donc on est parti avec ces 150 bâtiments. C'est 150 bâtiments, comment on fait ? Alors, 150 bâtiments, ce qu'on a proposé derrière, en fait, c'est deux opérations. Pour les communes qui n'étaient pas financées, qui avaient la capacité financière de le faire, qui n'étaient pas forcément surendettées, on leur a proposé de faire un groupement de commandes plutôt que d'accompagner individuellement chaque projet, plutôt que chaque commune fasse son marché public, sa déclaration de travaux, etc. On a dit, on le fait en commun, ça. Et on est passé par un groupement de commandes coordonné par le syndicat Mix du Parc. Voilà. Et du coup, on a fait toutes les études, les demandes de raccordement. On a lancé un marché groupé d'exécution pour trouver un installateur. On a recruté ensemble l'installateur. Et après, il y a eu simplement des bons de commande, des actes d'engagement propres à chaque bâtiment, enfin propres à chaque commune. Chaque commune a payé sa quote-part. Mais de faire ça, ça a permis d'alléger tout un tas de,
le travail administratif pour les communes, mais ça, on y reviendra après. Ouais, puis ça donne une garantie un peu technique, parce qu'on peut mettre plus d'ingénierie dans le montage du cahier des charges. C'est ça. Et puis ça donne une certaine homogénéité aussi dans les installations derrière, ce qui peut avoir des avantages à long terme, je pense à l'exploitation des systèmes. Il y a l'exploitation, il y a l'économie d'échelle, on va faire des économies, et surtout l'économie de procédure, parce que, je l'ai dit en introduction, mais c'est un territoire qui est pauvre en ingénierie dans les communes. Et une secrétaire de mairie qui est là une demi-journée, deux demi-journées par semaine, elle n'a pas le temps de lancer un marché comme ça, ils vont dans l'urgence, etc. Donc tout l'intérêt d'arriver avec un truc qui est en main, et nous on prépare les délibérations, on prépare les conventions, on prépare les marchés, ils ont juste à signer derrière, quoi. Pour les communes qui nous font confiance. Donc ça, première opération. Deuxième opération, on a plein de communes qui sont aussi dans l'incapacité de... Alors pas forcément toujours dans l'incapacité, mais c'est une question de choix. C'est comme... J'ai l'impression qu'ils sont dans l'incapacité. Non, en tous les cas, c'est une question de choix. C'est comme vous, en tant que particulier, vous avez des revenus, vous avez des charges, vous avez une capacité d'investir dans un projet, et après, il faut choisir si c'est la voiture, si c'est les écoles des gamins, si c'est une maison, si c'est un mobilhome sur la côte. Et une commune, c'est pareil, quoi. Et si elle fait du photovoltaïque, elle fera peut-être pas l'assainissement. Elle fera peut-être pas l'extension d'école. Donc il y a des communes qui veulent garder aussi cette capacité d'investissement. Et du coup, pour autant, elles sont pour la transition énergétique, et du coup, elles nous ont dit, mais si vous trouvez un système de location, moi je veux bien mettre des panneaux solaires, mais je ne les paierai pas. Et ça a attiré deux tiers des communes, une vingtaine de communes. Et là-dessus, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a coordonné ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt, pour trouver quelqu'un qui vienne louer ces toits-là. C'est une obligation légale, c'est la loi Sapin 2, c'est un marché public, parce que les communes n'achètent pas. Simplement, quand elles mettent à disposition du foncier public en vue d'une activité économique, elles ne peuvent pas le faire de gré à gré comme ça. Elles doivent faire une publicité à un moment et dire que, voilà, qui veut faire ça. C'est la même chose si vous avez du terrain communal, hein, et que vous le mettez à disposition d'un opérateur éolien. Il faut que vous fassiez de la publicité avant, qui veut me faire un parc éolien ici. Vous choisissez un petit peu comme vous voulez, mais en tout cas, il y a ce rôle-là. Et nous, l'intérêt de ça, c'était de dire, on a groupé des petites communes de 50 habitants avec des communes de 8000. Et du coup, on a apporté à l'opérateur potentiel une centaine de toitures. Ça représentait un gros volume, ça représentait plus de 3 millions d'euros d'investissement. Et du coup, là, on s'est dit, on va peut-être trouver. Parce qu'une commune isolée qui lance un appel à intérêt, qui veut venir louer une toiture dans le sud d'Aveyron, au fin fond du Larzac, pour faire un 9 kg sur un toit ardoise. Je vois mal l'analyse des un NG ou un EDF dire oui, moi ça m'intéresse pour gagner 50 euros par an. Voilà. Donc tout l'intérêt de grouper pour avoir un potentiel suffisant. Voilà, je ne sais pas si j'en dis plus à ce stade. Non, je pense qu'on y voit bien. Et une fois qu'elles ont fait leur choix, il y a quand même encore un petit peu de boulot. Ouais, alors on vous avait demandé de te présenter les difficultés, la solution qu'on a trouvée derrière. Alors, les galères, quoi. Vous l'avez compris, il y a beaucoup d'administratifs. Déjà, un dossier photovoltaïque, il y a beaucoup d'administratifs, hein, entre tous les dossiers de raccordement, les autorisations, les contrats d'achat, etc. Là, vous rajoutez à ça les collectivités avec les marchés publics ou les mises en concurrence. Et vous rajoutez à ça la question de la coordination. Et du coup, ça a été des délibérations, des conventions de groupement, des marchés groupés, des contrôles de légalité parce qu'on dépassait les seuils, etc. Donc beaucoup d'administratifs, beaucoup de besoins d'annulation de tout ça, d'ingénierie, pour aller dans les conseils, pour expliquer, pour préparer ces documents. Mais au final, c'est un gain de temps pour tous, parce qu'individuellement, les collectivités, elles sont soumises à toutes ces procédures. Et l'intérêt, c'est que, au lieu de faire 30 dossiers individuels ou 100 dossiers individuels de toiture, on l'a fait pour l'ensemble. Voilà. Et donc le temps passé par dossier, il est forcément beaucoup plus faible. On va ramener après, on va voir les résultats juste après, aujourd'hui, où on en est, c'est ça la question ? C'est ça. On a eu le même exercice ce matin. aujourd'hui, donc, on a une grappe qui est constituée de boucler ces 75 installations. 75 installations pour lesquelles on a les autorisations préalables d'urbanisme, on a les demandes de raccordement, les coûts de raccordement, les conventions de raccordement, et on a bloqué du plan tarif d'achat. Et on a les baux de signer pour la location ou le marché de le groupement de commandes qui est en cours d'exécution.
pour autant, ces 75 installations, elles ne sont pas toutes construites. Aujourd'hui, il y en a une trentaine de construites. Ça a démarré il y a un an pour la première. Et toutes les semaines, on en a une nouvelle qui est construite. 75 installations, ça représente 2,5 mégas de puissance. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, il y a un truc que je n'ai pas dit quand même. Le groupement de commandes, donc, c'était une trentaine de toitures, ça a été attribué à une entreprise locale. L'opérateur qui vient louer les toits, c'est une filiale du groupe Valorem qui a été créée, une société de projet donc détenue en majorité par Valorem, mais dans laquelle Valorem a intégré 49% de capitaux d'une coopérative citoyenne qu'on a créée récemment. Donc aujourd'hui, le financement, le tiers investisseur, c'est à la fois un industriel qui porte l'opération, mais associé à notre coopérative citoyenne. Et l'exécution, il sous-traite tout à une entreprise locale qui est la même, qui fait le groupement de commandes. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais au final, tout ça pour dire que ces 75 installations, elles sont soit financées par les communes qui l'ont voulu, soit elles ont été louées, mais elles sont louées avec du financement privé d'un côté, mais une grosse partie citoyenne dedans. Et elles sont toutes confiées, par contre, à une entreprise locale. Cette entreprise locale, elle a un portefeuille de projets actuellement, enfin depuis les dernières années, ils sont à entre 2 et 3 mégawatts d'installation photovoltaïque par an. Là, on leur apporte 2,5 mégawatts sur 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ont recruté 6 personnes pour faire ces dossiers-là. Donc c'est ça qui prend du temps aussi dans les installations, c'est qu'ils doivent coordonner et ils grossissent en même temps l'entreprise, mais ça montre qu'une opération comme ça, avec du financement local, ça permet aussi de créer de l'emploi local, en plus du volet énergétique, environnemental. Parce que là, finalement, on est sur 30 communes rurales, donc on n'est pas sur des grosses communes, et rien que par de l'action publique, qui coûte finalement pas un rond, c'est en gros. Enfin, il y a l'animation qui nous dira après ce que ça vous a coûté en interne, mais on crée 5-6 emplois non délocalisables dans le coin. Alors, pas sur 30 ans, mais en tout cas sur quelques années, ils sont là. Donc c'est visible tout de suite. Sur quelques années, et puis surtout qu'aujourd'hui, le fait d'avoir fait ça, autant Sainte-Afrique, c'est notre... C'est notre grande ville, Sainte-Afrique, avec Millau. Hein. Sainte-Afrique, ils ont mis tous leurs bâtiments. Ils ont dit, vous m'équipez tous, les églises, les écoles, etc. Millau, ils ont choisi 7 bâtiments. On sait qu'il y a 40 bâtiments encore qu'on peut équiper. Donc il y a un potentiel derrière. Et puis après, il y a 60 communes qui restent. Aujourd'hui, avec les municipales, on a déjà une dizaine de communes qui sont derrière nous en attendant qu'on relance une opération. Donc cette opération a la vocation à durer dans le temps. Il y aura une seconde phase, peut-être une troisième, etc. 75, alors qu'il y a 750-800 bâtiments potentiellement à équiper, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'inscrit dans la durée aussi. Ce que tu disais tout à l'heure, on ne connaît pas l'état de la charpente, etc. Mais par contre, on sait que ces bâtiments-là, dans les années qui viennent, un jour ou l'autre, on refera la toiture. Et donc, si on est dans une dynamique comme ça, là, on peut avoir ces opportunités d'inscrire dans le plan de travaux du patrimoine le photovoltaïque qui devient quelque chose de presque courant, quoi, parce que ça se fait au fil de l'eau. C'est ça. Et il y a un autre aspect, peut-être que j'arrêterai là, et après vous poserez les questions après l'autre intervenant, mais l'intérêt d'une opération collective comme ça, c'est de mutualiser. Mutualiser, on a dit de l'ingénierie, mutualiser des coûts, et mutualiser des projets ensemble, ça veut dire faire des projets qui ne sont pas rentables seuls, de les faire avec des projets qui sont très rentables, au final, on a une rentabilité moyenne. Je prends l'exemple de la toitière Nord du Haut, désolé pour ceux qui étaient là ce matin, Arnac sur Dourdou, commune de 22 habitants, qui souhaite louer sa toiture parce qu'elle n'a pas de capacité d'investissement, autant dire que celle-ci, personne ne vient dans les fonds. Le fait d'être groupé avec Sainte-Afrique et avec d'autres communes, ils ont dû prendre Valorem l'ensemble des toitures, donc ils peuvent faire ça. On est sur il y a trois étages, ça veut dire un grand échafaudage. Une toiture en ardoise qu'il fallait tout refaire, etc. Le coût des travaux est déjà énorme, quoi. On fait la demande de raccordement dessus, 14 000 euros de raccordement pour une installation de 9 kg. Oh, la tuile. C'est le prix de l'installation, quoi, pour faire ça. Donc vous doublez le truc. Ce projet seul ne se serait jamais fait. Voilà. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des opérations mutualisées comme ça, c'est qu'on peut. Il y a un système de péréquation entre projets, et au final, soit on a une démarche et on fait que les cycles les plus rentables, soit en faisant ça, on fait beaucoup plus de volume et on arrive quand même à trouver un équilibre économique. Pas en dessous,
peinture en bas à gauche, c'était un fibro. L'opération a permis de désamianter l'ensemble du bâtiment sans que ça coûte rien à la commune, parce que là, c'est une opération en location. Donc c'est aussi pour les communes. Des communes, soit elles avaient une redevance, soit la redevance, elle était réduite s'il y avait du fibro et du désamiantage à faire. Et du coup, ça permet pour des communes d'éviter ces contraintes et ces coûts de désamiantage qui, un jour, leur tombera dessus. Donc voilà, c'est aussi un moyen de rénover les toitures, de produire de l'énergie sans que ça coûte à la collectivité. Merci.